Brial, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue chez Livre Noir, merci de nous accorder cet entretien. Pour rappel, vous êtes avocat, spécialiste justement sur les questions de sécurité intérieure, puisque vous présidez aujourd'hui le Centre de Réflexion sur la Sécurité Intérieure. Vous avez également été avocat pour les policiers, alors vous tombez bien, parce qu'on va essayer de revenir durant cet entretien sur les 5 jours d'émeutes qui nous ont précédés, de venir vraiment dans le détail. Vous êtes un des principaux aujourd'hui spécialistes de ces questions-là, et donc on souhaitait avoir votre regard avisé. Ma première question, pour poser un peu le cadre avant de rentrer dans les détails, comment vous résumeriez ce qui s'est passé ces 5 derniers jours? Vaste question, et ce qui est important, c'est de dater notre entretien, parce que je ne suis pas sûr que ce qui s'est passé depuis 5 jours va continuer de façon linéaire, quelle que soit la destination de la ligne, plutôt vers le bas ou plutôt vers le haut, dans les jours qui viennent. Donc nous sommes le lundi 3 juillet, après-midi, et vous me posez la question de savoir ce que je pense des 5 jours que nous venons de vivre. La première réponse, c'est que je ne suis pas du tout surpris par ce qui est arrivé. Comme toujours, quand il y a un événement grave dont on a l'intuition, dont on a des raisons objectives de penser qu'il va se produire, il y a toujours la surprise tactique, c'est-à-dire qu'on sait que l'air est saturé de vapeur d'essence, on ne sait simplement pas d'où viendra l'étincelle. Donc l'étincelle, c'est ce qui est arrivé à Nanterre mardi dernier, où à la suite d'une course-poursuite d'un peu plus d'1/4 d'heure, un jeune délinquant qui conduisait sans permis une voiture de puissante cylindrée qui était louée, immatriculée en Allemagne, a cherché à éviter la police en prenant tous les risques, a fini par être bloqué tout simplement par une file de voitures arrêtées à un feu rouge. Les policiers se sont approchés de lui en prenant toutes les précautions légitimes au regard de la dangerosité de la conduite de l'individu, et ensuite il s'est passé des choses qui ont abouti à 5 secondes de vidéo qui ont déclenché une émotion nationale et même internationale, et dont, dès que j'en ai été averti, les faits se déroulent à 8h18 exactement. Moi, je reçois un premier message vers 9h30, 10h moins le quart, on me dit « Attention, il y a eu un flingage à Nanterre, un truc qui peut être compliqué, un jeune du quartier, une famille connue ». Et la vidéo, à ce moment-là, on ne sait pas qu'il y a une vidéo, et la vidéo donc sort une heure après. Et là, je dis, je me souviens, je suis au cabinet et je dis à des avocats qui sont avec moi, je leur montre la vidéo et je dis là, attention, parce que on a quand même beaucoup de choses qui sont réunies pour que ça parte, et que ça parte vite. Alors, je vais évidemment développer, mais j'ai commencé en vous disant que la première réponse, c'est que j'étais pas surpris. Je vais tout de suite vous dire quelle est la deuxième, mais je vais redévelopper ensuite. La deuxième, c'est que c'est pour ça que c'était important de dater. On est 5 jours après, on est le lundi. Et franchement, en fin de semaine, j'ai cru que le week-end serait pire. C'est-à-dire que je suis agréablement surpris par le sang-froid, le professionnalisme, la retenue de nos forces de l'ordre. Et je pensais, je le dis, je craignais qu'il y ait des ouvertures de feu, d'abord des voyous sur les forces de l'ordre, et ensuite, en réponse, des forces de l'ordre sur les voyous. Et je craignais que nous n'ayons un bilan en morts avec des S, c'est-à-dire avec des morts des deux côtés. Le fait que ce ne soit pas le cas est une heureuse surprise, peut avoir des conséquences sur la suite, on va évidemment y revenir, mais n'est pas gagné. C'est-à-dire qu'on a à l'heure actuelle le gouvernement qui parle d'une légère décrue depuis 2 jours. Les choses sont un petit peu plus compliquées que ça. Il y a une décrue, semble-t-il, en termes de nombre d'incidents, mais l'organisation des émeutiers et la violence de certains de leurs actes sont en augmentation. Donc peut-être un peu moins, mais un petit peu plus dangereux. J'en viens maintenant à la question, la question au sens large. Pourquoi est-ce que je ne suis pas surpris? Je ne suis pas surpris parce que je travaille, vous l'avez rappelé, sur ces questions depuis longtemps. j'ai écrit des livres, je fais des conférences, je me renseigne, je suis au contact au Centre de Réflexion sur la Sécurité Intérieure, on est au contact hein, de tous les gens de l'appareil d'État, depuis les gardiens de la paix dans les voitures jusqu'au cabinet du ministre. Donc, globalement, on a les infos. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on a aussi le off. C'est-à-dire qu'on échange avec les politiques, avec les hauts fonctionnaires, avec les gens de terrain. Et ça fait quelques années qu'il y a une unanimité en off pour annoncer qu'un jour, il va se passer quelque chose qui va déclencher une forme d'explosion et que tous les ingrédients de cette explosion sont réunis. Le principal ingrédient, qui est pour moi la mère de toutes les batailles, je ne l'ai jamais caché, je n'ai pas attendu l'élection présidentielle de 2022 pour le dire, c'est que nous avons là aujourd'hui une addition qui nous est présentée de 40 ans de renoncement et de lâcheté sur la politique migratoire. Je pense que c'est toujours, mais sauf qu'elle est mal engagée, c'était la mère de toutes les batailles. Et nous avons les gouvernements successifs de droite, de gauche, tout ça, c'est pareil. Parce que c'était compliqué, parce qu'il fallait du courage. Pourtant, au début, c'était pas si compliqué, il fallait pas tant de courage. Hein, comme toujours, c'est plus facile d'arracher une jeune pousse que de couper un tronc d'arbre. Personne n'a voulu s'intéresser vraiment à la question... aux multiples questions qui étaient sous-jacentes au fait de développer, pour la première fois dans l'histoire de France, et ça c'est contrairement à ce que beaucoup de gens disent, c'est la première fois dans l'histoire de France, une immigration qui soit culturellement différente. Il y a eu, les gens qui disent que la France a toujours été une terre d'immigration, c'est absolument faux. Le début de l'immigration en France, c'est à peu près le milieu du 19e siècle. Mais pour faire très court, c'est pas le sujet de l'entretien, mais c'est quand même la base de ce qui amène à l'entretien, pendant un siècle et demi, entre les années 1850 et les quelques années qui suivent la Deuxième Guerre mondiale, l'immigration, c'est essentiellement une immigration européenne. Alors évidemment, toutes les immigrations sont compliquées parce que les gens sont toujours rétifs à venir voir dans leur cercle proche des gens qui ne sont pas exactement comme eux. Mais, comme disait Raymond Kopa, qui s'appelait Kopaszewski et qui venait de Pologne et qui est le premier grand footballeur français, on se faisait traiter de sale polac à la récré, mais on se retrouvait le dimanche à l'église. Et on a eu affaire à une immigration, qu'elle soit polonaise, qu'elle soit italienne, qu'elle soit espagnole ou portugaise, qui était fondamentalement une immigration de gens qui avaient la même culture. Bien sûr, à la marge, il y avait des différences, c'est une évidence. Mais fondamentalement, c'était une immigration chrétienne. Et le deuxième point, c'est que cette immigration était mue par une vraie volonté de s'intégrer. Et je reprends l'exemple de Raymond Kopa, parce que c'est un exemple qui est formidable. Kopa, il est né Kopaszewski. Son père l'a appelé Raymond, et ils ont francisé le nom en Kopa. Et donc, deux générations après, même une génération après, dès lors qu'il y a une adhésion aux valeurs, ce qui est un autre sujet, on va y venir, mais il n'y a plus de problème d'immigration, il n'y a plus de problème de différence. Bien sûr, il reste les particularismes. Personne ne demande à quelqu'un qui vient s'installer dans un autre pays d'oublier d'où il vient, de renoncer à des traditions perso, etc. Mais par contre, ce qu'il ne faut pas, c'est que ce soit un mode de vie qui vienne impacter la culture d'accueil. Or, donc, années 60 et massivement années 70, la France, qui a un besoin de main-d'œuvre, utilise la main-d'œuvre, dans un premier temps maghrébine, avant ensuite massivement faire appel à la main-d'œuvre d'Afrique subsaharienne, sans mesurer qu'il s'agit là d'une population qui, à la différence de ces premières vagues d'immigration dont je viens de parler, sont des populations qui ont une culture complètement différente. Et donc, l'erreur avec un E majuscule, c'est pas qu'une erreur, c'est aussi parce qu'on n'a pas voulu, on n'a pas osé, etc. Ça a été de ne pas mesurer que cette immigration allait avoir des conséquences sociales, culturelles, religieuses et sécuritaires qui allaient totalement nous échapper. Et le pire, c'est que plus ça a commencé à se voir. Alors les émeutes de Vaux-en-Velin, c'est l'année 1990. Je m'en souviens parce que ça a été le mois, octobre 90, c'est le mois où je suis parti dans les paras. Donc c'était un décalage. Bon. Donc On est là, il y a 33 ans. Et déjà, à l'époque, on se posait la question de l'intégration, de la deuxième génération, etc. etc. Pourtant, si on zoome sur l'époque, si on regarde les chiffres de population et les ratios de population à l'époque, il y avait encore beaucoup de choses qu'on pouvait faire. On avait encore des leviers. On avait une population arabo-musulmane qui était ultra minoritaire, avec beaucoup de gens, notamment les darons, comme on les appelle aujourd'hui, c'est-à-dire la première génération, qui essayaient, qui étaient totalement volontaires pour s'intégrer, qui appelaient ses enfants à s'intégrer, et c'est là que ça a commencé à déraper. Donc, à l'époque, avec du courage politique, c'était tout à fait jouable. Bon, à l'époque, il n'y avait pas de courage politique, il n'y en a pas eu plus après. Mais on était sur la fin de la Mitterrandie, Mitterrand était malade, la grande affaire, c'était d'essayer d'empêcher que la droite gagne les élections. Donc, évidemment, de surjouer sur le côté gauche, tout en instrumentalisant le Front National. Donc, tout ça, c'est bien connu. Mais ça veut dire aussi, je le rappelle pourquoi, parce que c'est très intéressant, c'est-à-dire que non seulement l'aspect stratégique pour la France de la maîtrise et de l'accompagnement de son immigration, n'a pas été appréhendé, mais en plus, ça a été instrumentalisé à des fins de politique intérieure pour diaboliser une partie de la droite et pour empêcher la droite de revenir au pouvoir, en tout cas de revenir au pouvoir sur des lignes fortes. Et je dis ça en me souvenant que le programme du RPR de 1993 était un programme qui, aujourd'hui, était à la droite de tous les programmes de droite qu'on a vus à l'élection présidentielle de 2022. C'est-à-dire, il faut s'en souvenir. Donc, tout ça, ça n'a pas fonctionné, notamment pour ces raisons. Et donc aujourd'hui, pour revenir aujourd'hui, on a l'addition. Voilà, c'est pas compliqué, garçon, l'addition, 40 ans, boum, l'addition. Plus vous attendez, plus l'addition est lourde. Quand vous allez pendant des mois dans un bar boire à l'ardoise, le jour où le patron vous met la main sur l'épaule en disant « mon gars, maintenant il faut payer », globalement, c'est vous n'avez pas les moyens. Et oui, parce qu'on vous a laissé dépasser. Là, c'est la même chose. Donc, on a laissé se développer cette immigration absolument sans la contrôler, en niant les effets délétères de l'incapacité à renvoyer dans leur pays et les gens qui n'avaient rien à faire sur notre territoire. Ce sont des chiffres que je rappelle, mais on en a beaucoup parlé ces 2 dernières années. On a sur les 5 dernières années, moins de 12% des obligations de quitter le territoire qui sont exécutées. Il y a une légère remontée depuis 6 mois, il ne faut pas le nier, mais on part de tellement bas. Il y a un rapport de la Cour des comptes en 2015 sur le sujet qui est apocalyptique. Donc, en gros, il y a un adage qui est bien connu, c'est « tu entres en France, tu restes en France ». Et donc, vous avez une immigration choisie, qui est déjà... Enfin, quand on dit choisie, elle n'est pas choisie, elle est subie, mais elle est légale, avec notamment le regroupement familial, etc., qui fait que globalement, pour prendre le dernier chiffre, on a un tout petit peu moins de 450 000 personnes qui sont entrées en France de primo-entrants en immigration légale. 450 000, c'est absolument... considérable. En plus, il y a la sédimentation, c'est-à-dire les couches qui s'ajoutent les unes après les autres, des gens qui ne sont plus en situation régulière sur le territoire français ou qui ne l'ont jamais été, et qui restent. Et donc, année après année, tout ça s'accumule. Ça a plein d'effets. J'en cite un parce qu'on en parle assez peu. C'est le poids que ça représente en usagers supplémentaires non contributifs du service public. Quand on se dit pourquoi les services publics français se portent aussi mal, alors que quand même, il y a 30 ans, c'était formidable, c'était une fierté dans le monde entier, tout simplement, il y a d'autres facteurs, mais le facteur principal, c'est que la charge sur ces services publics, elle a été augmentée de tous ces gens qui entrent année après année. Alors, revenons au sujet. Donc, une immigration dont les 3e et 4e générations se littéralement désintègrent. Alors là encore, on pourrait faire une émission spéciale là-dessus, mais c'est pas totalement le fruit du hasard. Il y a des théoriciens islamistes, les Frères musulmans, etc., qui expliquent comment, pour des raisons de conquête islamiste, il faut désintégrer, au sens d'empêcher l'intégration, de couper l'intégration, hein, donc c'est au sens propre, cette jeunesse d'origine musulmane, comment il faut la réidentitériser, enfin la renvoyer à son identité par un cycle qui est théorisé là aussi, qui est le cycle provocation, réaction, victimisation. On le voit avec l'affaire des hijabeuses, les footballeuses, dont on a parlé la semaine dernière. Donc tout ça, ce sont des incidents qui sont mis en avant parce que les islamistes espèrent faire réagir les Français, les médias, les politiques, et ensuite ça leur permet de pointer du doigt en disant « Ouh là là, là, regardez, aux jeunes, regardez, la France est un pays islamophobe. L'islamophobie étant en soi un terme qui a été inventé, un terme magique, puisque c'est un terme qui a été inventé pour qu'on ne puisse pas critiquer le fait politique islamiste en le mélangeant, en faisant comme s'il s'agissait d'une discrimination religieuse, parce qu'évidemment, ça n'est pas une seconde. Donc, il y a tout un tas d'éléments qui se sont développés avec des associations, avec des politiques. Regardez l'évolution de l'extrême gauche. La France insoumise, un candidat qui, sur les deux dernières élections présidentielles, tangente le deuxième tour, heureusement, ça c'est une appréciation personnelle, il le rate, mais il le tangente, et qui entre à l'Assemblée nationale en 2022, en tout cas qui se renforce à l'Assemblée nationale en 2022, avec un groupe totalement désinhibé, de gens qui, pour certains, ont 50 mots de vocabulaire en français et qui passent leur temps à faire de la provocation, à arriver débraillés, vautrés, certains ayant été poursuivis pour trafic de stupes il n'y a pas très longtemps, etc. Enfin, on est dans le grand n'importe quoi, mais dans une logique assumée de concourir au chaos. Et ce qu'on voit depuis 5 jours, c'est que les commentaires de la France insoumise, ceux de Jean-Luc Mélenchon, qui n'est plus élu, mais qui, lui, est totalement parti en roue libre. Il dit des trucs totalement hallucinants. Mais ce n'est pas tellement Jean-Luc Mélenchon, ce sont ses lieutenants, ceux parmi lesquels va se jouer la guerre de succession, qui sont beaucoup plus inquiétants. Parce que ce sont des gens qui ont, pour certains, pas pour tous, mais pour certains, un peu de talent personnel, et des idées, en tout cas des expressions, qui sont très radicales. Et j'en parle parce que, précisément, en ce moment, ils jouent le rôle de bout de feu. Ils mettent de l'huile sur le feu. Ils sont dans une logique de chaos. Ils sont dans une logique d'incitation, puis d'entretien de la violence. Donc tout ça, c'est un pays extrêmement fracturé. Et j'en reviens à ma pièce pleine de vapeur d'essence. Et quelles étaient les étincelles possibles? On aurait pu avoir un attentat d'extrême droite, depuis le temps qu'on nous le promet. On l'a toujours pas eu. Un jour, on l'aura. Alors là, ils diront tous « Ah, on vous l'avait dit ». Un jour, on en aura un, c'est inéluctable. L'État islamique fait tout pour qu'on en ait depuis 2015. Et je vous le dis franchement, je suis fier de mon pays, que nous n'en ayons pas eu et que notre population a été suffisamment résiliente pour que nous n'en ayons pas eu. Mais un jour, on en aura, forcément. À force d'attendre, un jour, ça arrivera. Donc ça aurait pu être ça. Ça n'a pas été ça. L'autre grande hypothèse, c'était un fait divers qui enflamme les banlieues. Alors, un fait divers qui enflamme les banlieues, il y avait un obstacle majeur. C'est que l'ordre public est maintenu en banlieue, un petit peu par la police, et beaucoup par les trafiquants. Pourquoi? Pour des raisons très simples à comprendre. Les trafiquants, ils jouent à domicile en banlieue. La police y va, la police va partout en France, mais elle ne reste pas partout. Donc la police fait des entrées et des sorties, mais elle ne fait pas d'occupation elle ne fait plus de l'occupation de terrain partout. À partir du moment où elle ne fait plus d'occupation de terrain partout, qu'est-ce qui est favorisé? C'est le trafic. Si vous avez des événements très graves, avec des heurts, des policiers blessés, etc., forcément, quelle va être la réaction du gouvernement? Ça va être d'envoyer des forces massives pendant un temps déterminé sur le lieu où se déroulent les troubles. Donc, par hypothèse, pendant le temps de présence massive des forces de l'ordre sur le territoire, il n'y a plus de trafic possible. Donc ça déporte le trafic, ça cause tout un tas de désorganisations. Comme il y a des questions de logique de territoire, vous ne pouvez pas aller trafiquer chez le voisin, parce que chez le voisin, c'est un autre trafiquant. Bref, tout ça fait que les trafiquants avaient une tendance naturelle à calmer les plus jeunes et les plus fougueux d'entre eux quand il y avait un événement grave, quand il y avait quelque chose qui était vécu comme une injustice, quand il y avait une interpellation un peu musclée, en disant... Ok, on peut passer une nuit à cramer un peu les voitures, ça va. En plus, ça rappelle qu'on est chez nous. Mais par contre, après, ça suffit. Et puis, il y a des limites, il ne faut pas s'en prendre aux forces de l'ordre, il ne faut pas essayer de les tuer, etc. Là, ce qui s'est passé, et on savait qu'un jour, ça arriverait, mais encore une fois, c'est cette question de l'étincelle, c'est un événement dont la force de l'émotion a balayé toutes les rationalités dont je viens de parler. C'est-à-dire que les trafiquants, les grands frères, les associations locales, les médiateurs, tout ce genre, ça a été balayé. Et balayé par la force de l'image, par la force des rumeurs. On a dit tout un tas de choses qui sont sans doute fausses sur les circonstances de l'interpellation. Ce n'est pas le sujet du jour. Mais ce sont devenus des vérités. au-delà de la France, sont devenues des vérités dans le monde entier. Sur les plateaux télévisés, j'ai entendu les commentateurs les plus doctes tenir pour acquis des choses dont, à ma connaissance, elles n'existent pas dans le dossier. Peu importe, c'est une vérité qui émanera plus tard. Et en termes politiques, ça n'est plus le sujet, puisque le fait politique, il a eu lieu. Le fait politique, c'est que le jour même, toutes les barrières dont je parlais et qui font que, malgré une société très fracturée, ça tenait, tout a volé en éclats d'un coup. Et à partir de là, on est passé dans un scénario dont il était intéressant de suivre l'évolution. Contrairement à 2005, on a eu en 2 jours, mais même pas un, dès la première nuit, mais en tout cas la deuxième, plusieurs différences majeures. La première, c'est qu'en 2005, les émeutes ont été circonscrites territorialement. Beaucoup dans le Val d'Oise, un petit peu ailleurs sur 3 ou 4 autres territoires, mais ça n'a jamais été une contagion dans tout le pays. Là, dès le deuxième soir, pour ne pas dire dès le premier, c'était un phénomène d'ampleur nationale. Le deuxième. Le premier, il y en a eu dans des villes moyennes. Mais le deuxième, c'était absolument partout. Ensuite, contrairement à 2005, les voyous sont sortis de leur quartier. C'est-à-dire qu'ils ne se sont pas contentés d'affronter durement les forces de l'ordre à domicile, sur leur terrain. Ils sont sortis. Et ce qui est très intéressant, c'est que, pour révéler à ceux qui nous regardent, un petit peu comment on travaille au CRSI quand il y a des événements comme ça. On a des capteurs partout, des gens qui nous envoient des messages, des policiers, des gendarmes, des gens dans les parquets, des gens dans les préfectures, des gens dans les ministères, etc. Et donc, pendant 2 heures, entre 7 et 9, 9h30, on a le flot des messages entrants. Alors, il peut y en avoir quelques-uns, il peut y en avoir, comme en ce moment, des dizaines. Et d'habitude, quand il y a un événement grave, vers 9h du matin, on a une vision de l'ampleur. Aujourd'hui, depuis 5 jours, il faut que j'attende le début de l'après-midi pour mesurer la réalité de l'ampleur. Parce qu'il y a tellement d'événements que les remontées sont parfois lentes. Prenez un événement aussi grave que le policier qui s'est fait tirer dessus au 9 mm à Metz, ce qui est sans doute l'agression la plus grave depuis 5 jours. Il s'est retrouvé avec une balle dans son gilet pare-balles, l'info n'est sortie que le soir, alors que ça avait eu lieu, même si c'est sorti en début de nuit, à tel point que quand je l'ai reçu, j'ai cru que c'était une info récente de cette nuit-là. En fait, c'était la nuit d'avant. Tout ça pour dire que la remontée d'événements, il se passe tellement de choses que la remontée est beaucoup plus longue. Je vous disais, les différences avec 2005, les émeutiers sortent de leur territoire. Ils vont attaquer les symboles de l'État. Aujourd'hui, on en est à plus de 1000 bâtiments endommagés ou incendiés. 1000 bâtiments. Enfin, je veux dire, il faut se rendre compte de ce que c'est que 1000 bâtiments et du coût que ça induit. Il y a eu bien sûr les pillages, ça c'est un classique. Mais il y a eu les attaques contre nos forces de sécurité. Plus de policiers blessés. Alors on est déjà à 3 fois plus de policiers blessés, vous avez raison d'en parler. 3 fois plus de policiers blessés en 6 jours que 21 jours en 2005. 3 fois plus. Les policiers ne sont plus attaqués donc à l'entrée de la cité, plus seulement, mais ils sont attaqués à domicile. C'est-à-dire que les casernes sont attaquées, les postes de police municipaux sont attaqués, les casernes, les commissariats de police sont attaqués. Les policiers qui rentrent chez eux aussi. Je vais y venir. Songez qu'à Paris, il y a 3 commissariats centraux qui ont été attaqués, je ne sais plus, la force, c'était la 2e ou la 3e nuit. Il y a eu des émeutes dans plus d'1 tiers des arrondissements parisiens. Et je suis sûr qu'il y a plein de Parisiens qui ne s'en sont même pas rendus compte. Donc, il y a des CRS qui ont été embusqués à 5h du matin en rentrant à leur casernement par des gens qui les attendaient parce qu'ils savaient que c'était le chemin pour rentrer. Donc on a affaire à des gens beaucoup plus organisés, dans une logique de grande violence, et vous l'avez dit, avec une tendance qui est en train de monter, et moi c'est l'un des points qui m'inquiète beaucoup à date, si on fait un point de situation précis, c'est une véritable chasse aux flics, avec des recherches sur des listes d'inscription dans les salles de sport, avec des relevés de plaques d'immatriculation sur les parkings police, des gens qui prennent des photos, etc. On a l'impression qu'un certain nombre de gens constituent des véritables dossiers d'objectifs pour ensuite s'en prendre à des policiers hors service. C'est déjà arrivé plusieurs fois depuis quelques jours. Dimanche, en voiture, une policière avec ses enfants a été assez violemment importunée. Elle n'a pas été agressée, mais elle a été très intimidée fortement au volant par des voyous qui l'avaient reconnue. Et puis, vous avez cette affaire dramatique de la L'Haÿ-les-Roses. C'est-à-dire que on ne s'en prend plus, et ça aussi c'est une grande différence, on ne s'en prend plus seulement aux policiers, aux gendarmes, ce qui est en soi dramatique, bien sûr. Mais là, on s'en prend aux élus. On s'en prend au maire, à sa famille. Le parquet a ouvert les faits dramatiques dont ils ont été la victime sous la qualification de tentative d'assassinat. Le parquet a eu raison. Voilà un véhicule qui fonce au milieu de la nuit, à l'heure où tout le monde dort, qui ensuite, à l'intérieur, il y a de l'essence, il y a un accélérateur pour accélérer la combustion, la lumière s'allume, les cris des habitants retentissent, et au lieu de se sauver, pas du tout, les voyous tirent des fusées d'artifice directement à tir tendu sur la femme et les enfants du maire, puisque le maire n'était pas là. Lui, il était dans la mairie depuis 3 nuits en train de la protéger. Lui protéger derrière des barbelés qu'il avait fait installer la mairie depuis 3 nuits. Et donc on a des gens qui sont, c'est pas pour rappeler ces faits terribles, mais c'est intéressant sur un point précis de rentrer dans les détails, parce que ça montre la préparation, ça montre la détermination, qu'une détermination homicide, hein, il faut appeler les choses par leur nom, contre la famille. Donc même pas comme si ça aurait excusé quoi que ce soit, mais même pas la personne elle-même, et la personne étant un maire, et pas un policier ou un gendarme, là encore, comme si ça excusait quoi que ce soit, ce qu'évidemment, ça n'excuse pas. Donc, on est à un degré de haine contre tout ce qui symbolise directement ou indirectement l'État, qui est inédit, et qui est d'autant plus grave qu'il est partagé sur l'ensemble du territoire. Autre différence par rapport à 2005, décidément, il y en a beaucoup, c'est la dimension identitaire. On entend sur les nombreuses vidéos qui sont captées, qui sont diffusées plus ou moins complaisamment par les uns ou par les autres, beaucoup de phrases de Allah Akbar, de sale français, etc. On rapporte, alors ça on en parle moins, on rapporte aussi des cas d'agression de jeunes hommes blancs, de jeunes hommes ou femmes, parce que blancs, sales blancs, etc. Ça, c'est un truc dont on parle pas trop. Et puis, dernier point, vous venez d'y faire allusion et vous avez raison, j'allais venir, le CRSI l'a tweeté tout à l'heure, parce qu'il y a un article de Maghreb Intelligence très bien fait qui donne les détails et auquel je renvoie, sur la réalité de l'ingérence algérienne depuis le début, pour, le mot est dans l'article, tenter de déstabiliser le pays. Et puis il y a une dernière ingérence sur laquelle je serais intéressé qu'on ait plus d'informations, à supposer qu'on en connaisse, hein, mais c'est qu'on a toutes les raisons de penser que les Russes, qui ne sont pas très heureux de l'aide que nous apportons à l'Ukraine, un jour ou l'autre feront des opérations de déstabilisation sur nos arrières. Peut-être qu'un jour, on apprendra qu'ils ont poussé à la roue tel ou tel groupe ou équipé tel ou tel. C'est de l'ordre de l'interrogation, mais j'avais écrit un article en octobre 2022 sur la guerre hybride, et où je disais qu'il y avait tout à craindre de la part de services, de services russes, qui sont des professionnels de ce genre d'opération. Donc, tout ça, ça fait beaucoup de grandes différences avec 2022. La dernière et la plus grande étant qu'entre 2005 et 2022, la population française a changé, la part de gens qui sont culturellement différents a beaucoup augmenté. Je revois à tous les chiffres dont on parle régulièrement sur votre chaîne pour les détails, qui sont des chiffres INSEE, hein, des chiffres qui établissent très clairement un basculement de population. Et donc on a affaire à une minorité qui n'est plus du tout une minorité résiduelle, qui est une minorité forte, sachant là encore qu'il n'y a pas un pays dans l'histoire contemporaine où la minorité arabo-musulmane a atteint 30% de la population et qui soit restée dans la paix civile. Surtout que là, ce sont les enfants des émeutiers de 2005, parce qu'il s'est passé 18 ans. C'est-à-dire qu'il y a une génération encore plus radicale et plus identitaire, comme vous le disiez. Moi, ça m'amène à une question qui est en 3 axes. D'abord, vous le dites, c'est aller très vite, très fort. Pourquoi ça s'est finalement calmé? C'est mon premier sujet. Deuxième sujet, c'est est-ce que c'est une répétition, en fait? Est-ce que ça pourrait à nouveau arriver en plus grave? Et le troisième élément, c'est que si pour le coup, c'était aller beaucoup plus loin, quelles seraient dans ce cas-là les étapes et la graduation pour qu'on puisse se projeter dans ce qui serait si ça ne s'était pas calmé ce week-end? Parce que très certainement, ça va à nouveau se réitérer et peut-être que cette fois-ci, ça ne se calmera pas. C'est très difficile de répondre à la dernière question. Et ça revient à prolonger, dans l'introduction, je vous disais que je n'avais pas été surpris par le fait lui-même, mais qu'une des surprises, c'est qu'il n'y ait pas eu d'usage d'armes à feu. Donc la troisième question, c'est comment est-ce que ça aurait pu être? C'est lié aussi à la réponse policière. Quelles sont les... Oui. La police, qu'est-ce qu'elle pourrait faire, en fait? Oui, mais la police, pour l'instant, elle s'est adaptée, à la violence à laquelle elle a été confrontée. Et je dois le dire, je sais que tout le monde ne sera pas d'accord, mais à un moment, il faut sortir de l'incantation. Il faut essayer aussi de se projeter en disant bah, « Ok, bah, tu parles, mais si un jour c'est toi qui fais, comment tu ferais ?» C'est extrêmement compliqué au moment où on est à l'acmé de l'émotion et de l'irrationnel, de se dire bah, on va leur rentrer dedans pour casser le truc. Et pour vous, Darmanin a bien géré, c'est ce que vous disiez? Bah, moi, je pense que jusqu'à maintenant, Darmanin a bien géré. Pourquoi? Parce qu'il a réussi à contenir l'impact énorme initial des deux premiers jours sans qu'il y ait de... C'est pas le mot dérapage, parce qu'il n'y a pas de dérapage. Hein. Si l'usage de la force est légitime, je le dis suffisamment, il faut soutenir nos forces de l'ordre, y compris lors de l'usage de la force légitime. Mais en tout cas, sans que les forces de l'ordre se retrouvent dans une situation où c'était nécessaire. Alors en vrai, elles se sont retrouvées dans une situation où c'était nécessaire. Elles ne l'ont pas fait. Et dans l'intérêt de la paix publique, elles ont évidemment eu raison. Par contre... à tout moment, pourquoi c'est très difficile de répondre à votre question? Parce que en fait, c'est pas une question de graduation. Il suffit d'un gars qui vienne avec une Kalach et qui décide de tirer à tir tendu sur un groupe de policiers ou de gendarmes, qui en tue 2 ou 3 ou 4, pour qu'on bascule totalement dans autre chose. A fortiori s'ils sont plusieurs, et a fortiori s'il y a plusieurs groupes qui font ça à plusieurs endroits sur le territoire. Parce qu'à chaque fois, on est sur des crans différents, si vous voulez. Surtout que ça entraînerait une riposte, donc avec des morts des deux côtés, etc. Pourquoi? Un mot quand même là-dessus, parce que c'est intéressant de se demander pourquoi ça n'a pas eu lieu. Il n'y a pas de fusil d'assaut, en tout cas pas beaucoup dans les rues. Pourquoi ça n'a pas eu lieu? Mais en fait, il y en a beaucoup. Ouais. Non mais c'est pour ça. Donc il y a beaucoup de fusils d'assaut. On voit tous les 2 ou 3 jours, il y a un assassinat par la Kalach ou au 9 mm, y compris maintenant dans les villes moyennes, on en a suffisamment parlé. Donc il y en a partout, dans beaucoup de cages d'escalier de nos quartiers, dans des centaines, voire dans plus de 1000 quartiers en France. Et pourtant, on en a vu une, pas très nettement sur une vidéo, avec un gars qui tire en l'air, un autre qui tire sur des lampadaires. Et puis, il y a eu une dizaine de policiers blessés au fusil à pompe chargé de plomb. C'est important de faire la différence, pas avec de la balle, mais avec du plomb. Et puis, ce policier, donc, blessé par balle, qui n'a pas été blessé grâce à son gilet par balle. Mais pour le reste, moi, je pense, je ne vois pas d'autre explication, que c'est parce que, même s'ils n'ont pas pu empêcher la vague d'émotion initiale, les trafiquants, pour autant, n'ont pas voulu que cette affaire prenne un tour totalement non maîtrisé. Donc les armes qu'ils utilisent tous les jours pour protéger leur territoire et pour tuer leurs rivaux, ils ne les ont pas données aux plus jeunes et aux plus excités des émeutiers. C'est du contrôle, c'est tout à fait volontaire, et quand vous me demandez qu'est-ce qui pourrait nous arriver de pire, il pourrait nous arriver de pire que de façon collective, ou en tout cas de façon organisée sur un endroit donné du territoire, des groupes de délinquants chevronnés décident, quelle que soit la raison, de donner ou d'utiliser eux-mêmes ces armes de guerre dont ils savent très bien se servir contre les forces de l'ordre. Quel pourrait être déclencheur si on décidait de s'attaquer vraiment au trafic de drogue? Alors c'est une vraie question, je ne sais pas. On s'y attaque, hein, on s'y attaque. Darmanin, il a compris le tournant. En vrai, on est submergé. Donc, on est submergé. Il y a maintenant les mafias sud-américaines qui rentrent par les ports de Hollande, de Belgique et maintenant du Havre. La procureure de Paris avait fait une interview remarquée au journal Le Monde en décembre dernier, en tirant le pendu au signal d'alarme, en disant qu'il y avait énormément d'argent mafieux qui générait de la corruption dans la justice, de la corruption politique. Donc tout ça sont des signes, là encore, hein, de faiblesse et d'effondrement de l'État. Tout ça concourt au même crépuscule, et donc sans doute à un vrai risque de violence beaucoup plus grave à terme. Mais pour l'instant, tant que ces groupes-là en France ne se sentiront pas en danger, ils n'ont pas intérêt à déclencher des actes qui, pour le coup, pousseraient de façon absolument certaine, dans les 10 minutes, le gouvernement, enfin le président de la République, à invoquer l'état d'urgence, voire l'article 16 ou l'article 36 de la Constitution. Là, on basculerait totalement à autre chose, avec des tribunaux militaires, etc. Donc, ils savent lire, ils sont instruits, ils ont d'ailleurs des avocats qui sont très proches d'eux. Donc, tout ça, c'est une balance bénéfice-risque qui est parfaitement pesée et maîtrisée. Évidemment, ces gens-là n'ont pas intérêt à ce qu'il y ait le chaos absolu en France. Par contre, le risque, c'est que malgré tout, tel ou tel arrive à se procurer une des armes dont on parle. Il y a un deuxième risque, qui est un risque suivi de près par les services de renseignement français, enfin tous les services de renseignement occidentaux, c'est que depuis février 2022 et l'aide massive à l'Ukraine, nous collectivement, et en particulier les États-Unis, avons apporté à l'Ukraine une aide massive sous tout un tas de formes, dont de l'armement individuel. Qu'est-ce que c'est de l'armement individuel? Vous avez des fusils d'assaut, ça c'est pas nouveau, il y en a beaucoup depuis la guerre des Balkans dans les années 90. On en a parlé, c'est utilisé au quotidien par les voyous, les trafiquants entre eux, rien de nouveau. Il y a deux nouveautés dans ce qui est en train de circuler. C'est l'armement individuel anti-char et l'armement individuel anti-aérien. Donc ce sont ce qu'on appelle les MANPAD, les missiles Javelin, qui sont les plus courants, qui sont les missiles américains, et les MANPAD solaires, qui peuvent être de différentes origines, qui sont assez faciles d'emploi. Alors, pour que chacun mesure si les gens ne sont pas des spécialistes, c'est pas des petits objets faciles à cacher dans un coffre de voiture et que n'importe quel abruti peut utiliser après avoir reçu 10 minutes d'instruction et une tape sur l'épaule. Mais malgré tout, ce sont des armements assez faciles à véhiculer, assez faciles à stocker et pas très compliqués à utiliser dès lors qu'on a un instructeur qui connaît un peu ou un bon site internet pour faire du tutorat. Donc tout ça pour dire que, de même que les services de renseignement, si vous m'aviez interrogé il y a 10 jours sur le risque terroriste, sont très inquiets parce qu'on sait que des équipes de Daesh sont à nouveau rentrées en Europe et qu'elles cherchent à avoir accès à ce genre de matériel, si des émeutiers ou des gens qui ont intérêt au chaos parvenaient à mettre la main sur ce matériel, là c'est sûr qu'on changerait instantanément de dimension. Vous parlez justement de matériel, on a vu des unités, notamment de la BRI, qui est assez impressionnante. On a pu sortir aussi bien des quads que des 4x4. Ça me permet de reposer un peu cette question sur quel est l'état aujourd'hui, vous qui connaissez bien la police, de nos forces de sécurité. Parce qu'évidemment, tout le monde a été inquiet ces 5 derniers jours. Il y avait une peur aussi de voir à un moment donné les émeutiers venir dans les pavillons, justement. En cas d'escalade, quels sont aujourd'hui les moyens qui sont donnés à la police, à la gendarmerie, qui n'ont pas encore été utilisés et qui pourraient l'être? Voilà, on commence à avoir utilisé quand même pas mal de moyens. Vous avez déjà une dimension numérique, d'effectifs. Les 2 dernières nuits, Gérald Darmanin rappelait qu'il avait fait déployer sur le territoire 45 000 effectifs. Donc, en ordre de grandeur, hein, je vous rappelle, police 150 000, gendarmerie 100 000, police municipale 37 000. Donc 45 000, ça veut dire que vous êtes globalement à 20% de l'ensemble des effectifs, ce qui est absolument considérable. Ensuite, il y a un autre sujet, c'est que on avait beaucoup parlé, souvenez-vous, en 2018-2019, de la pression sur la police, des événements gilets jaunes tous les samedis, mais c'était tous les samedis. Là, c'est toutes les nuits. Donc, il y a une pression physique, qui est réel. Deuxième point, c'est qu'il n'y a pas encore un problème, mais en tout cas une petite tension, sur les munitions de force intermédiaire. On a vu Courbevoie où visiblement il manquait de munitions. C'est pas les seuls, il y a des endroits, alors on m'assure, hein, j'ai posé quelques questions ce matin pour ne rien vous cacher, on m'assure que pour l'instant il n'y a pas de rupture de stock. J'entends la phrase, les stocks et les approvisionnements, c'est pas pareil. Le stock, c'est un stock. L'approvisionnement en première ligne, c'est pas forcément la même chose. Donc, il peut y avoir des ruptures d'approvisionnement ponctuelles, même sans rupture de stock. Et puis, de toute façon, Et vous avez raison, ben je ne sais pas si c'est le cas de Courbevoie, mais en tout cas c'est le cas d'un certain nombre d'autres. Il y a des endroits où les policiers, en particulier, ont tiré la dotation annuelle en 4 jours. Je ne sais pas si vous imaginez. Donc même si on reconstitue les réserves de telle ou telle unité, il ne faut pas que ça dure, trop longtemps. Vous avez fait allusion au déploiement d'unités dont ce n'est pas du tout le métier, notamment des unités d'intervention. Ça avait été critiqué par certains. Moi, je pense que ce n'est pas forcément une mauvaise idée. On a vu le RAID. Ce n'est pas une mauvaise idée parce que ça permet de montrer les moyens, ça permet de dissuader. Quand le RAID a tiré à tir tendu avec des balles de caoutchouc à Marseille, ça a quand même permis d'éclaircir un peu la rue assez vite. Donc, on a affaire à des professionnels qui sont entraînés et qui sont capables d'apporter un effet choc au sens du combat, hein, choc, qui est évidemment salutaire dans ces cas-là. La question de la réserve, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il pourrait y avoir de plus si... D'ailleurs... S'ils sortaient les fusils d'assaut, en fait. Ah non, mais s'ils sortaient les fusils d'assaut, là, on passerait complètement à autre chose et on aurait... ce serait très compliqué. Alors, c'est difficile de vous répondre à la question dans l'absolu. Est-ce que c'est sur un endroit? Est-ce que c'est sur 10 endroits? Est-ce que c'est partout en France? Est-ce que c'est un type avec une arme? Est-ce que c'est des embuscades intelligentes avec de la manœuvre tactique? Est-ce qu'on peut imaginer, par exemple, qu'un ancien militaire forme des gens? On est sur des scénarios qui sont tellement gradués que c'est très difficile de vous répondre. Je vais vous faire une réponse pas super intelligente, mais de bon sens. C'est que ça dépendrait de la graduation. Par contre, et ça c'est un point qu'il ne faut pas se cacher, c'est qu'au-delà d'une certaine intensité, il est probable que les forces de sécurité publique, c'est-à-dire les brigades de gendarmerie, les polices secours, les gens qui sont tout le temps dans la rue, mais qui n'ont pas d'entraînement particulier pour la haute intensité, qui n'en ont même pas du tout, seraient les premiers touchés, et ensuite je pense qu'ils seraient plus réticents à sortir. L'effet le pire qu'on pourrait atteindre, c'est un effet de saturation où se poserait la question pour eux de rentrer protéger leur famille plutôt que, bon, on n'en est pas là, mais si on en était là, et si on entrait dans une telle intensité, d'abord je crois que le gouvernement déclencherait aussitôt l'un ou l'autre des outils juridiques dont je rappelais l'existence tout à l'heure, des outils juridiques ou constitutionnels pour avoir un assouplissement d'un certain nombre de moyens pour faire face. Et derrière, il y aurait sans doute, ce qui à mon avis est vraiment la chose à faire le plus tard possible, et si on peut ne pas la faire, ne la faisons pas, c'est l'utilisation de l'armée. Pourquoi je dis si on peut le faire, si on peut ne pas le faire, ne le faisons pas? Parce que l'armée française n'est pas faite pour faire la guerre contre ses propres citoyens, même s'il n'y a pas que des citoyens français. Le fait est que ce serait absolument catastrophique à tous égards si nous étions contraints d'en venir à ces extrémités, mais qui font partie, pour répondre à votre question, de la panel des éventualités. Qu'est-ce que pouvaient vous dire les policiers avec qui vous êtes en contact? Humainement, comment ils ont vécu ces 5 jours? La plupart ont été sidérés, choqués, mais dans la sidération ou le choc, il y a une dimension de tétanie. Il n'y a pas eu de tétanie. Mais ils sont absolument effarés par l'intensité de la violence à laquelle ils ont été confrontés. Et encore, hein, on vient d'en parler, sans utilisation d'armes à feu. Quasiment tous les jours, m'ont dit « c'est pour ce soir, ça va tirer, c'est sûr, on est à la limite, on a failli, etc. » Sauf que jusqu'à maintenant, grâce à leur courage et à leur discipline, ça tient, et grâce au fait aussi que les autres, pour les raisons dont on vient de parler, n'utilisent pas pour l'instant leurs armes de guerre. Mais la chose la plus éprouvante, et c'est la réponse peut-être la plus précise à votre question, c'est cette perception de la haine contre eux. Cette perception de la volonté absolue de tuer du flic dans l'expression, dans les regards, dans les mots utilisés, dans ce qu'ils lisent sur les réseaux sociaux, dans les démarches de surveillance, de repérage dont on parlait tout à l'heure et dont ils sont les témoins, ou en tout cas dont on leur parle. Donc l'idée de se dire « je me suis engagé dans la police ou dans la gendarmerie pour être le garant de la paix publique, pour protéger mes concitoyens, pour être au service, non pas du tout d'un gouvernement, c'est une aberration de penser que la police est au service d'un gouvernement, la police est au service de la nation, et les policiers le vivent comme tel. Et donc l'idée d'avoir eu cet engagement, qui est un engagement altruiste, qui est un engagement citoyen, et de se retrouver du fait de cet engagement menacé de mort, par les gens qu'on est supposé protéger et pour lesquels on s'est engagé, c'est quelque chose qui est ravageur dans les esprits. Pour autant, le moral est plutôt bon. Il y a une forte détermination, parce qu'il y a beaucoup de policiers qui disent « bah ouais, mais depuis le temps, là, maintenant, ok, on y est ». Les policiers, ils savaient que ça allait arriver. Hein. Ils ne savaient pas le jour, ils ne savaient pas quand, ils ne savaient pas l'année même, à 1 ou 2 ans près ou 3 ans près. Mais ils savaient que chaque jour qui passait nous rapprochait un peu plus du moment de vérité. Et donc, bah là, il y a un côté, il y a aussi un côté d'être prêt, c'est-à-dire en se disant, bah, c'est maintenant, donc il faut y aller, il faut qu'on fasse le taf pour le pays, pour nos concitoyens qui attendent le rétablissement de la loi et l'ordre, pour tous ceux qu'on aime, pour une certaine idée de ce que c'est que la République française. Et il y a cette détermination qui est maîtrisée, hein, qui n'est pas non plus une vague qui emporterait vers le n'importe quoi, au contraire, mais c'est une détermination. Moi, je suis aujourd'hui la J plus 5 ou 6, enfin, ça dépend comment on compte, je reste impressionné par cette détermination, mais attention à la fatigue, attention à l'usure, parce que là on parle de gens qui sont exposés plusieurs heures par nuit, toutes les nuits, depuis 5 jours, depuis 6 jours, mais enfin 5, et avec à chaque fois le risque que la fatigue et encore une fois l'augmentation de l'intensité en face conduisent à une erreur d'appréciation, ou tout simplement que la violence faisant son effet, il y a un drame qui soit subi. Je précise d'ailleurs à nos auditeurs que vous avez vraiment une approche autour de la sécurité intérieure, c'est-à-dire en montrant que ça a été bien contrôlé par rapport à la situation d'en face, qui ne veut absolument pas dire que vous essayez de minorer ce qui s'est passé, parce qu'évidemment, les dégâts matériels, ça va se compter en centaines de millions, voire en milliards, avec tout ce qui a été brûlé, cassé. Moi, je suis... j'essaye d'être le plus objectif possible. Je me suis jamais planqué dans mes analyses. Quand il faut critiquer, je critique. Mais quand il faut dire qu'il y a des choses qui sont plutôt pas mal faites, je le dis aussi. Parce qu'encore une fois, tous ceux qui sont dans l'incantation, il n'y a qu'à faux, maintenant il faut y aller, il faut les écraser, il faut tirer, machin, etc. Mais je dis, ok, bah, d'accord, mais et après quoi? Et après on fait quoi? Donc il faut essayer de mesurer ce qu'on dit. Par exemple, tiens, pour ceux quand même qui diraient, tiens, c'est quand même étrange, une chose, moi, que je trouve très choquante, c'est que la réponse pénale, elle n'est pas du tout au niveau. Oui, on voit les premières condamnations. Les premières condamnations, elles sont risibles. Quand on voit, d'ailleurs, soit dit en passant, quand on voit les noms des gens qui sont interpellés, ça là encore, hein, c'est dommage que ce ne soit pas rendu public, parce que ça, un problème de long terme, ça permettrait quand même un retour au débat initial, enfin aux propos initiaux sur l'immigration. Mais quand on dit il faut rétablir l'autorité, donc moi j'ai écrit Osons l'autorité, donc ça c'est tout un programme en soi. Bon, après le programme est décliné. Bien sûr, c'est notamment si on dit que ce comportement est inadmissible, a fortiori s'il y a de la violence, bah, il faut qu'en bout de chaîne, hein, quand ça arrive au tribunal, la personne à qui on a dit « attention, là, ce que tu as fait, c'est mal, et puis tu t'es fait interpeller, la violence, c'est pas bien et tout bah, », il faut qu'effectivement, ça lui fasse quelque chose. Parce que s'il s'en sort avec des sursis probatoires, dans le pire des cas, des mises à l'épreuve, ou pire, des travaux d'intérêt généraux ou des jours amendes, c'est même pas que le délinquant se marre, parce que ça, à la limite, mais c'est qu'il a conscience de ce qu'il perçoit comme étant sa propre supériorité sur le système. C'est-à-dire qu'il perçoit le système comme étant faible. Il n'y a rien de pire que d'être considéré comme faible sur les sujets régaliens. Aujourd'hui, le gros problème de la France sur cette régulation, c'est qu'on a complètement perdu l'habitude, la justice n'est plus du tout adaptée au degré de violence et d'ensauvagement de ce début de XXIe siècle, et elle continue pour la plupart des juges à raisonner sans que ce soit malhonnête intellectuellement. Je ne parle pas des juges rouges, il y en a, mais il y en a beaucoup moins que ce que beaucoup de gens pensent ou disent pour tout tout un tas de raisons. Mais par contre, il y a un formatage. C'est-à-dire qu'on pense, il y a des choses que tout le monde pense. Voilà, la prison, c'est l'école du crime, il ne faut pas mettre en prison, il faut penser à la réinsertion d'abord, etc. Bah, la réinsertion, c'est intéressant, c'est important, c'est aussi l'intérêt de la société. Mais la punition, la sanction, le rappel de la loi, le fait que quand on met le doigt dans la prise, il doit y avoir une décharge électrique, ça, c'est important aussi. Parce que sinon, tout le reste du discours n'a même pas de sens de commencer à être pensé, puisqu'en amont même, vous êtes considéré comme faible. D'ailleurs, d'autant plus que là, on a vu beaucoup de 14-18 ans qui faisaient partie des émeutiers. Ma question, elle est vraiment pour l'avocat. Au pire, qu'est-ce qu'ils peuvent craindre par le fait qu'ils sont protégés par le statut de mineur? Alors, ça dépend de l'âge qu'ils ont, parce qu'il y a des seuils, et ça dépend de la gravité de ce qu'ils ont fait. Si vous avez 17 ans et que vous commettez un acte qualifié de crime, il y a une réponse quand même. C'est pas la même que si vous avez 13 ans ou pire encore 12 ans et que vous vous livrez à des délits. Mais globalement, la grande réforme qu'Éric Dupond-Moretti nous a vantée sur les mineurs, en réalité, c'est le prototype de la fausse bonne idée. Je vous explique pourquoi en 2 minutes. L'idée, c'était de dire, ça part d'un bon sentiment. L'idée, c'est de dire, il y avait trop de temps entre l'interpellation et le passage devant un juge, ce qui était vrai. Donc, ils ont inventé un système qui est un système intelligent pour les gens intelligents, mais qui ne peut pas marcher avec des gens qui n'ont pas le bagage intellectuel suffisant ni la culture suffisante pour le comprendre. C'est le suivant. Le jeune interpellé, il fait sa garde à vue. Si il est déféré, donc s'il est présenté à la justice, il passe tout de suite devant le juge pour enfants. Et là, qu'est-ce qui se passe? Le juge lui dit, ce que tu as fait, c'est pas bien. Donc, c'est une infraction. Alors, infraction, le mec ne comprend pas ce que ça veut dire. En tout cas, c'est une faute. Voilà, d'accord, là, il comprend. Et donc, je suis chargé de te sanctionner. Et je vais te sanctionner, mais pour ça, je vais voir comment tu te conduis pendant les 6-8 mois qui viennent. Et on va se revoir l'année prochaine. Et selon ton comportement pendant cette année, eh bien, je verrai, etc. Donc, c'est un système qui est un système, quand je disais qu'il est intelligent, parce que c'est un système qui donne sa chance. C'est un système qui est un système bienveillant. Il donne sa chance au môme. Comment c'est perçu? Le môme, il est là, on lui a dit que c'était grave. En plus, pour arriver devant le juge, il faut qu'il y ait eu 10 fois avant. Donc, et puis, il se dit, bon, ben là, je vais ramasser. Et puis il entend un mec qui lui tient un discours en disant « Voilà, ce que tu as fait, c'est pas bien, mais je vais pas te sanctionner, on se revoit l'année prochaine. » Mais l'année prochaine, c'est quoi? C'est dans un siècle. Il n'y a pas les structures pour bien comprendre ce que ça veut dire. Peut-être une fois de temps en temps, ne tombons pas dans la caricature. Mais sur le genre de délinquant dont on parle, qu'est-ce que le type va penser en sortant? Qu'est-ce qu'il va dire à ses camarades? Il a gagné un an. Bah, il va surtout dire « J'ai rien eu. » Mais j'ai rien eu. Le juge, il m'a parlé, j'ai pas très bien compris, puis j'ai rien eu, on se voit l'année prochaine. Ah, l'année prochaine, tiens, allez, qu'est-ce qu'on fait ce soir? Vous voyez? Ouais. Le décalage. Donc, ce qui est un système pensé, c'est intelligent, hein, je vous dis, d'un point de vue. On serait dans un colloque dans le 6e arrondissement, je trouverais ça formidable. Mais appliqué au terrain, c'est d'une déconnexion totale, et c'est la différence entre la bienveillance pensée et la faiblesse ressentie. Mais le problème, c'est que le système, il se pense bienveillant, et en face, il est considéré comme faible. Et du coup, bah, en avant. Mais regardez ce que Dupond-Moretti a dit ce week-end. C'est extraordinaire. Il a dit, attention, on va finir par responsabiliser les parents. Donc on va dire aux parents qu'il faut qu'ils fassent attention, parce qu'il y a un texte qui dit que s'ils ne s'occupent pas bien de leurs enfants et s'ils les laissent faire un certain nombre de choses, ils peuvent être sanctionnés. Mais ce qu'on n'a pas quand même atteint le moment où il faut dépasser le « on va se rassembler, on va vous dire attention », pour passer directement à la sanction. Mais sanctionnons, il faut en sanctionner 500 dans toute la France. Et puis qu'à la sortie des immeubles, ils se disaient, bah tiens, voilà, j'étais à la justice, puis j'étais condamné, et puis là, attention, il faut que je paye et tout. Quand c'est ça comme message qui va passer, il y a une petite chance, et encore, faut pas, mais une petite chance que ça commence à impacter. Mais là, si c'est de dire, on va se rassembler, puis on va vous dire qu'attention. Et puis en plus, après, il a dit, et puis ensuite, on va les convoquer, on va leur redire attention. Mais non. D'ailleurs, c'est ce qui me surprend beaucoup aussi, pour comparer un peu sur Naël, même si évidemment on n'a pas la fin, il faut attendre la décision de justice, c'est qu'on entend que la police tue, et en même temps on voit des jeunes qui, lorsqu'ils se font braquer dessus, bah, continuent à avancer. C'est-à-dire qu'il y a cette idée, si vraiment on pensait dans les banlieues, etc., que la police était là pour les tuer, j'imagine qu'en tout cas les jeunes feraient beaucoup plus attention sur ce genre de choses. Et c'est là où j'ai aussi une question pour l'avocat que vous êtes. On a vu sur les réseaux sociaux beaucoup de gens qui étaient inquiets, qui se sont dit, qu'est-ce qui se passe si à un moment donné, ces émeutiers viennent chez moi ? Et c'est la question de la légitime défense. Si j'étais sur de la prospective, même si c'est toujours compliqué, si le maire de la L'Haÿ-les-Roses, Vincent Jeanbrun, avait été chez lui, qu'est-ce qui, dans l'arsenal juridique, lui permet aujourd'hui de se défendre? Parce qu'à partir du moment où il y a, comme vous le dites, des émeutes dans tout le pays et plus seulement dans certains endroits, finalement, la police ne peut pas être là partout. Mais c'est le point clé, et je vais vous répondre. Mais il faut aussi étendre la réponse à la police. Parce qu'en réalité, vous le disiez tout à l'heure, que certains qui nous regardent pourraient penser qu'il y a une forme de modération qui se porterait peut-être excessive, etc. Moi, je dis depuis le début de cette affaire, donc depuis 6 jours, que, pour les raisons qu'on a déjà dites, je suis extrêmement inquiet sur le déferlement possible d'une vague de violence qui submergerait les capacités des forces de sécurité intérieure à garantir la sécurité de chacun. C'est-à-dire, en clair, qu'il y aurait des quartiers qui seraient livrés à eux-mêmes, comme ça a été le cas les 2 premières nuits, où certaines villes n'ont pas pu honorer les appels, n'ont pas vu honorer leurs appels 17, parce que les forces de police étaient fixées, comme on dit en termes militaires, dans d'autres communes, et où des voyous se sont baladés sans opposition pendant plusieurs heures, en mettant le feu localement à la mairie ou au gymnase, sauf très rares exceptions, sans s'en prendre aux habitants. Mais qu'est-ce qui se passe si les émeutiers comprennent, à un moment donné, qu'il n'y a plus de police, ou en tout cas qu'il n'y en a plus localement? Forcément, ils vont continuer, la violence va continuer à monter. Après avoir pillé les magasins, après avoir brûlé les symboles de l'État, forcément, l'étape d'après, parce qu'une fois que les magasins seront vides, on ne va pas les piller une 2e fois en 3 jours, l'étape d'après, ça risquerait d'être, et le risque n'est pas du tout écarté aujourd'hui, que ce soit les habitations. Donc, je vais vous répondre, mais je fais d'abord le passage par le message que j'envoie massivement, mais qui est un message politique, c'est que il faut absolument... Le moment qui arrive, c'est le moment du courage politique pour le gouvernement et pour l'ensemble du gouvernement, parce que je ne pense pas que le problème soit au ministère de l'Intérieur. C'est que il va falloir soutenir les policiers, y compris si les policiers adaptent l'usage de la force légitime à la gravité de la situation. Donc sans langue de bois, ça veut dire si les policiers tirent parce que la situation les y contraint. Et il faudra faire extrêmement attention parce que les associations d'extrême gauche, les médias d'extrême gauche, aussitôt, quelles que soient les circonstances, hurleront, évidemment. Hurleront. Il suffit de voir le traitement de l'affaire par Mediapart, par Libé, même par Le Monde, pour comprendre qu'on est sur des planètes complètement différentes. Je veux dire que quand vous lisez Mediapart, vous êtes à peine informé de ce qui s'est passé à la L'Haÿ-les-Roses. Vous êtes quand même informé, mais pas beaucoup. Et puis par contre, alors, on vous parle beaucoup il ressort toutes les anciennes affaires, de la police qui tue, etc., etc. Donc, il faudra là ne pas avoir la main qui tremble. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est absolument vital pour nos concitoyens de restaurer l'ordre. C'est vital économiquement, alors je peux vous décliner, etc., mais je reste sur votre question. C'est vital pour la vie des gens. Et d'ailleurs, on a vu des gens commencer à s'organiser pour protéger leur voiture, protéger leur quartier, etc. Je ne parle pas du groupe qui, à Lorient, a été commettre des interpellations avec un certain professionnalisme, mais les autres, c'est ça, c'est de la protection des gens qui se disent, bah voilà, il n'y a pas de policiers, c'est pas un reproche, les policiers ne peuvent pas être partout, ils sont fixés sur sur l'endroit où ils sont attaqués, mais du coup, moi, citoyen, je ne vais pas rester à subir. Éric Dupond-Moretti, on lui pose la question, on dit « Qu'est-ce que vous pensez des gens qui se sont rassemblés pour protéger leur commerce ?» Et il dit « Rien ne justifie ça, c'est à la justice et à personne d'autre. » Mais il n'a pas compris la question. Oui, fin de ne pas comprendre la question. On ne parle pas là de vengeance. On ne dit pas qu'il y a un commerçant qui a été rattrapé un pillard. On dit que ce sont des gens qui, en amont, par prévention, protègent leur commerce. Ben c'est comme des gens qui protègent leur domicile. Là, alors, vous m'avez posé la question, comment ça se passe en droit? Oui, ce qu'ils peuvent faire. Hein. En droit, la loi est très simple, elle est d'ailleurs assez bien faite. Pour les particuliers, vous pouvez vous défendre s'il y a une atteinte à votre vie avec une réponse qui est proportionnelle, pour faire très court. Donc ça, c'est vrai le jour ou la nuit. Et la nuit, il y a deux Ça, c'est l'article 122.5 du Code pénal. Et l'article 122.6 du Code pénal, il y a ce qu'on appelle des présomptions. C'est-à-dire que c'est un cas où, si ça arrive, vous êtes présumé, donc on considère que vous avez raison, sauf à démontrer que vous avez tort, ce qui est l'inverse du système habituel. Le premier, c'est pour lorsque vous avez utilisé la force pour repousser une intrusion dans un lieu habité la nuit. Donc là, on y est. Et le deuxième, heureusement, il n'a pas trop été rappelé médiatiquement ces derniers temps, c'est pour se défendre contre un pillage organisé avec violence. Autrement dit, de façon plutôt comique, le droit français permettrait à tous les tenants de commerce qui se retrouveraient à être armés, en fait, à se défendre au moment des pillages. Bon. Avec un port d'armes, c'est-à-dire? Non, ça c'est un autre débat que je rappelle, c'est que la légitimité d'un acte de défense, donc la question de savoir si on avait le droit ou pas, elle était posée, hein, n'a rien à voir avec la légalité de l'outil avec lequel on le fait. Donc si vous vous défendez avec une arme que vous n'avez pas le droit d'avoir, vous pouvez vous défendre. On pourra considérer que vous vous êtes défendu de façon légitime, puisque le fait que vous n'ayez pas le droit d'avoir l'arme est un autre sujet. La légitimité de l'acte de défense, c'est un sujet en soi. Par contre, si vous vous baladez avec une arme que vous n'avez pas le droit de porter et que vous êtes contrôlé, là, évidemment, vous êtes condamné. Donc, pour en revenir à votre question, dans les pavillons, il est absolument évident, pour beaucoup, je m'en doute, et pour certains, je le sais, que les gens se sont préparés à ce qu'il y ait des voyous qui déboulent. Si vous n'avez plus personne et que vous êtes avec votre femme et votre fille, bah, faites le 17, ça ne répond pas. Qu'est-ce qu'il reste à faire? C'est ma dernière question d'ailleurs. L'année dernière, il y a eu une vaste opération de récupération des armes à feu, oui, chez les gens. Ce qu'on sait, c'est que ce ne sont pas les dealers ou les trafiquants de drogue qui ont rendu leurs armes. Ce sont les Français, citoyens, lambda, qui avaient des vieilles armes chez eux. Selon vous, parce que beaucoup en ont reparlé, parce qu'ils se sont dit, bon, en fait, il y a la moitié des gens qui ont rendu leurs armes. À l'aune de ce qui s'est passé là, est-ce que ça a été fait l'année dernière pour empêcher justement un jour qu'il y ait une réponse civile par arme à feu à ce type de choses ? Je vous répondrai oui si ce mouvement avait été accompagné d'une limitation ou d'une interdiction de vente d'un certain nombre d'armes aux tireurs sportifs et aux chasseurs. Or, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, les gens qui veulent acheter une arme peuvent tout à fait le faire, y compris un fusil à pompe, y compris un pistolet 9 mm. Il y a des règles qui sont un peu longues et contraignantes, mais qui sont parfaitement raisonnables, même si, encore une fois, elles sont longues et contraignantes, et que j'invite chacun qui serait intéressé à regarder le site de la Fédération française de tir. Tout ça n'a pas du tout était minimisé ou bloqué. Donc, si la volonté avait été vraiment de désarmer la population, je pense que la mesure dont vous parlez aurait été accompagnée par une interdiction, ou en tout cas une restriction des armes de chasse et des armes de tir. Cela dit, je voudrais rappeler une chose, parce que vous l'avez rappelé, c'est un sujet qui me tient à cœur et qui est une des spécialités du cabinet, c'est que, contrairement à la confusion entre la vengeance et la légitime défense, dont je parlais il y a un instant, la légitime défense, c'est se défendre dans le temps de l'agression. C'est pas d'aller des jours après retrouver celui qui vous a agressé. Et la légitime défense, Cicéron disait, c'est un droit naturel de l'homme. Ça dépasse le droit. Le fait de se défendre, le fait de défendre sa famille, c'est un droit qui est un droit absolu. Alors il est encadré par des règles, la proportionnalité, quelqu'un qui vient vous mettre une gifle, vous ne pouvez pas lui couper la tête. Mais dans l'esprit dont on parle, dans l'esprit d'émeute, dans l'esprit où des gens viendraient dans un pavillon, il est absolument évident que moi je pense qu'il faut se défendre, que je serai toujours là pour ceux qui se seront défendus. Mais vous savez, il y a même une raison philosophique à laquelle beaucoup de gens ne pensent pas. C'est que quand la société se constitue, le pacte social fait que le citoyen délègue le droit de se défendre, le droit de le défendre à la police, en contrepartie de quoi il paye des impôts, et en contrepartie de quoi il y a des règles sociales qui empêchent qu'on se foute sur la gueule pour un oui ou pour un non. Donc, c'est le job de la police sur délégation. Mais quand la police est empêchée, non pas alors ça peut être par carence de l'État, mais là en ce moment, c'est pas par carence de l'État. Si la police est occupée, on peut pas en vouloir à la police et au gouvernement si on se retrouve tout seul aujourd'hui ponctuellement, si elle est bloquée par des gens qui l'ont attaquée à 2 km. Et donc, si des gens viennent chez vous, en réalité, d'un point de vue de philosophie du droit, vous vous réappropriez la délégation que vous avez faite à la police de vous défendre, et puisque l'État est momentanément incapable d'opérer la mission que vous lui avez confiée, vous vous récupérez tout simplement le pouvoir de police que vous avez délégué. Alors tout ça correspond au droit, mais dans la logique même de l'acte, pour moi c'est quelque chose qui est absolument clair. En tout cas, je considérerais toujours que qu'un citoyen qui de bonne foi s'est défendu pour préserver sa vie, celle de sa famille, l'intégrité physique de sa famille, etc., doit absolument être protégé. Vous savez, un gouvernement, et l'État en général, hein, mais un gouvernement, son premier job, et moi, quel que soit ce que je ferai dans l'avenir, j'y veillerai toujours, c'est de protéger sa population. En prenant bien le soin, s'il le faut, de dissocier ceux qui sont de sa population et ceux qui n'en font pas partie ou qui s'en excluent. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut savoir qui on est, où on est et ce qu'on veut devenir. Et ce qui est à la fois terrible dans ce qu'on est en train de vivre, mais en même temps révélateur, c'est que toutes les crises qu'on sentait monter, qu'on a vécues, des petites crises ici ou là, depuis 40 ans, c'est une espèce de montée en puissance. Je ne sais pas si c'est la grande crise ou si c'est le dernier avertissement, mais on ne va pas se mentir. Je vais pas mentir à ceux qui nous regardent. Moi, je travaille sur ces sujets depuis des années. J'ai écrit 2 livres sur Saul Chaos, Osons l'autorité. J'ai dénoncé, je dénonce toujours vigoureusement l'entrisme de l'islamisme, etc. La faiblesse de nos élites politiques depuis 40 ans. À un moment donné, il va falloir qu'on change de braquet. Si on veut encore avoir une chance qu'on ait une société qui soit une société avec une cohésion nationale, si on va avoir une dernière chance, en dépit de ce qu'a dit Gérard Collomb, en dépit de ce qu'a dit François Hollande en 2015, etc., tous des politiques de gauche qui reconnaissent qu'on est au bord de la fracture. Mais il faut qu'on se donne du mal et il faut qu'on se bouge. Il faut qu'on se souvienne, juste ça pour finir, qu'on se souvienne que le socle qu'on doit reconstituer pour créer une communauté de vie, j'aime pas l'expression de vivre ensemble, pour toi, t'as raison, mais une communauté de vie, ça c'est indispensable. Ça doit être un socle solide. Ça ne peut être que le rappel de qui nous sommes. Nous sommes un peuple aux racines gréco-latines. Nous sommes un peuple de tradition judéo-chrétienne. Nous sommes un peuple millénaire. J'ajoute que nous sommes la fille aînée de l'Église, mais si on n'y croit pas de façon spirituelle, c'est au moins une réalité historique. Tout ça, ça a construit la France, ça explique les calvaires, ça explique Notre-Dame, ça explique les cathédrales, ça explique l'art, ça explique tout. Et encore une fois, ce n'est pas une question religieuse, c'est une question culturelle. Donc, tout ça, on doit se le réapproprier. Et vous savez, c'est comme en psychanalyse, c'est que pour être aimable, il faut commencer par s'aimer soi-même, par s'accepter, avec ses bons et ses mauvais côtés. Nous redeviendrons aimables, et donc en capacité d'assimiler les gens, et ils sont les bienvenus, qui veulent vivre en France. Quand on leur expliquera qu'en France, on vit comme les Français, et en accord avec nos valeurs fondamentales, le droit de croire, de ne pas croire, le droit d'aimer qui on veut, l'égalité homme-femme, etc., qui sont autant de différences avec un certain nombre d'autres cultures, et que pour ces valeurs, il y a beaucoup de gens qui sont morts, et il y en a encore qui sont prêts à mourir. Juste avant de terminer, est-ce que vous pourriez en 2 minutes présenter le centre de réflexion sur la sécurité intérieure que vous présidez ? J'ai créé le Centre de réflexion sur la sécurité intérieure en 2015, juste après l'attentat contre Charlie Hebdo et contre l'Hypercacher et contre Claudia Jean-Philippe à Montrouge, parce que j'avais la conviction que nous arrivions à un moment de notre histoire où les problématiques de sécurité intérieure allaient devenir aussi stratégiques et pour la France que les problématiques de souveraineté extérieure. Alors c'est un cercle qui n'a pas de financement public. Je n'ai pas voulu être reconnu d'utilité publique, donc les gens qui y adhèrent sont les bienvenus, mais ils ne récupéreront pas les 66% d'impôts. Pourquoi ? Parce que je veux pouvoir dire, et je le dis bien volontiers, que même si j'ai des contacts partout, je suis totalement indépendant. J'ai autour de moi des experts, j'ai un ancien directeur central des CRS, un ancien patron du RAID, ancien préfet pardon, de la Seine-Saint-Denis, l'ancien patron de la gendarmerie, Richard Lizuret, une ancienne députée Renaissance, spécialiste des questions de sécurité, qui a beaucoup travaillé sur ces sujets entre 2017 et 2022, une avocate qui dirige un think tank de réflexion aussi sur les questions de souveraineté. Il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des gens qui sont de droite, des gens qui ne sont pas de droite. Le seul point commun, c'est que tous les gens qui sont avec moi ont compris que les questions de sécurité, les questions régaliennes, étaient des questions absolument cruciales et qu'il fallait les aborder avec un regard qui ne soit limité par aucune œillère. Nous sommes force de proposition, nous publions. J'avais beaucoup développé le centre jusqu'à la crise sanitaire. Je ne vous cache pas que la crise sanitaire a fait beaucoup de mal à la levée de fonds. De là, maintenant, cette année, je le relance. Donc, je vous invite à aller sur le site, c'est crsi-paris.fr. Et j'invite tous ceux qui souhaitent se rapprocher de nous et envisagent d'adhérer, de ne pas hésiter à le faire. C'est des adhésions qui ne sont pas chères, c'est fait pour les jeunes, c'est fait pour les fonctionnaires, c'est fait pour tous ceux qui veulent. Et puis ceux qui veulent nous aider un peu plus, ils sont évidemment aussi les bienvenus. Mais en tout cas, nous sommes déjà présents dans le débat public. Je suis entendu régulièrement à l'Assemblée par des commissions. J'ai contribué au livre blanc sur la sécurité intérieure. Je parle à tous les niveaux de l'État avec les acteurs. Et donc, il y a une force de proposition, force d'influence et force peut-être un jour de changement. On mettra justement le lien de votre site internet en description de cette vidéo. Et c'est vrai que pour ceux qui nous écoutent, que c'est toujours important et intéressant d'avoir des analyses objectives qui partent justement du terrain, qui sont connectées, parce que comme vous le disiez tout à l'heure, vous avez des capteurs un peu partout. Et c'est important, on le voit à quel point dans les débats télévisés notamment, on a besoin, et en tout cas on est toujours content de vous voir à la télévision justement poser un peu le cadre pendant des moments justement où il y a de l'hystérie collective. Donc merci encore en tout cas d'être venu jusqu'ici, Thibaut de Montbrial. Merci à vous. C'était un vrai plaisir. J'invite encore une fois nos abonnés à venir consulter votre site internet. Je vous remercie d'avoir de cet éclairage. Vous retrouvez aussi cet entretien en podcast sur Spotify et Deezer. Je remercie tous nos auditeurs. Effectivement, exceptionnellement, cet entretien est sorti un mardi soir parce qu'on l'a enregistré le lundi soir. On veut qu'il sorte dès le lendemain, eu égard à la situation actuelle. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Thibaut de Montbrial, à très bientôt. À bientôt. En 2 ans, Livre Noir est parvenu à devenir un média puissant et de qualité, suivi par une communauté jeune et engagée, avec plus d'un demi-million d'abonnés sur nos réseaux sociaux et près de 40 millions de vues sur YouTube. Ce sont déjà plus d'une centaine d'entretiens, avec des personnalités d'horizons politiques et intellectuels variés, souvent en rupture avec la doxa dominante, largement véhiculée dans les grands médias traditionnels. Ce sont des documentaires chocs, réalisés en zone sensible, pour vous apporter l'information la plus juste et la plus authentique possible sur l'insécurité, l'identité, la politique ou encore les relations internationales. Désormais, grâce à votre soutien, Livre Noir franchit un nouveau cap en lançant une revue trimestrielle de 120 pages, dont le premier numéro, qui sortira en septembre, sera consacré à une grande enquête sur l'immigration, pour laquelle nous avons sillonné la France et voyagé à travers le monde ces 6 derniers mois. Vous nous connaissez, vous savez que le beau, l'impertinence, la profondeur et la soif du terrain font partie de notre ADN. Alors faites-nous confiance. Si vous voulez nous aider à porter le débat public sur la question migratoire et à proposer ce livre noir de l'immigration que nous attendons tous depuis longtemps, n'hésitez plus et commandez en prévente notre magazine sur la plateforme .magazine.livrenoir.fr. Merci à tous